Alina Kabaeva, d'ordinaire discrète, a récemment fait une rare apparition publique, après être restée dans l'ombre depuis plus de 2 mois. En effet, le 3 décembre dernier, la sportive de 39 ans, qui entretiendrait une relation amoureuse avec Vladimir Poutine, a assisté à l'inauguration d'un nouveau centre d'entraînement de gymnastique à Sotchi, en Russie. Devant l'assistance, elle a parlé sport, mais également de son parcours, sans jamais mentionner le dictateur, ni la guerre en Ukraine. Lorsque je faisais de la gymnastique et que j'étais une athlète, je ne pouvais même pas rêver de telles conditions, pour s'entraîner, note de la rédaction. Mais comme la vie le montre, l'impossible est possible, a-t-elle déclaré, comme l'a rapporté le Daily Mail. Alina Kabaeva a également vanté les mérites de la Russie, qu'elle considère comme un pays qui offre de grandes possibilités. Pour l'inauguration de ce nouveau complexe sportif, l'ancienne championne du monde de gymnastique a opté pour un ensemble de smoking noir, accessoirisé d'une étonnante broche bien visible. Accrochée au col sa veste, cette dernière représente la lettre Z, dont la connotation est liée à la guerre. Découvrez, en photo, l'évolution d'Alina Kabaeva, célèbre gymnaste et compagne de Vladimir Poutine. Un soutien à la Russie dévoilé subtilement? Nos confrères anglo-saxons du Mirror n'ont pas manqué de souligner que ce bijou a une symbolique bien particulière puisqu'il s'agit d'une marque de soutien à la Russie, vis-à-vis de la guerre menée en Ukraine. En effet, si est-il un des symboles peints sur les chars et les hélicoptères militaires de l'armée russe. Toutefois, Alina Kabaeva n'a pas profité de l'occasion pour afficher haut et fort son soutien à Vladimir Poutine dans l'invasion ukrainienne. Les médias russes, quant à eux, ont commenté le physique de l'ancienne gymnaste, suggérant qu'elle avait réalisé de nouvelles opérations de chirurgie esthétique au niveau de son visage. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Itartas.